Eh bien, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une tentative KEM sur la carte Strike Zone avec le Bulldog, une arme très dévastatrice qui, moi, personnellement, me fait penser au Striker de Modern Warfare 3 avec sa cadence de tir coup par coup semi-automatique et ses dégâts. Mais le seul problème, c'est qu'il a pas beaucoup de balles. Donc, je vais proposer cette vidéo à Code QG et à Code CF. Tout simplement parce que je trouve que le gameplay est assez exceptionnel. Vous allez voir, peut-être que j'ai eu ma KEM, peut-être que je ne l'ai pas eu, mais il y a eu beaucoup de rage quit. Et aussi mon commentary, qui est plutôt une bonne idée de parler de ça, qui s'agit de la diversité des armes sur Call of Duty Ghost. Donc vous allez voir, ça peut être très intéressant ce que je vais vous dire et ce que je vais vous faire comprendre. Alors tout d'abord, je vais vous dicter, on va dire, ma classe. Alors préparez vos stylos à écrire, non, c'est pas vrai. Je vais vous dire ma classe. Alors je joue au Bulldog, évidemment, avec le frein de bouche et le chargeur grande capacité, pour avoir un peu plus de cartouches dans le chargeur, car j'étais quasiment en full rush. Bah oui, on va dire ça, j'étais en full rush. Il y a quoi, à des moments, j'ai un peu temporisé, verbé, parce que je réglais mon son, en fait, du casque. Vous allez voir, je vais rester un peu dans un corner, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas trop faire de kill. Enfin, je vais pas faire de kill quand je vais être comme ça. Alors après, en atout, j'avais fin prêt, agilité, as de la gâchette, nettoyeur, silence de mort et concentration. En atout spécialiste, parce que oui, je joue en spécialiste pour faire une KEM, c'est un peu mieux. J'avais œil de lynx, passe-passe et visée solide. Et après, j'avais quatre atouts qu'on ne peut pas voir. J'avais indétectable, écoute, détermination et sonar. Alors j'ai eu beaucoup de chance dans ce gameplay parce que d'habitude là, ces atouts, c'est pour une mitraillette que je mets ça. C'est pas pour un fusil à pompe. J'aurais pas mis visée solide un dernier atout spécialiste. Je l'aurais mis directement dans mes classes. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et pareil, c'est pas du full soutien comme on peut beaucoup voir sur YouTube. Le seul aide que j'ai eu, c'est cette veste-là au début. Et après, bon, il y avait quelques oracles qui étaient lancés par la personne qui jouait avec nous, mais qui n'était pas dans notre groupe d'amis. Donc, c'était pas une quand même full soutien, vous allez voir. Donc, je vais commencer à vous parler de mon sujet de commentary. C'est la diversité des armes sur Call of Duty Ghost. Alors tout simplement, les armes qu'on retrouve le plus sur Call of Duty Ghost, c'est l'AK-12, la Remington, la M-TAR, le L111 et l'USR. C'est ces 5 armes-là qu'on voit tout le temps sur Call of Duty. Et franchement, à force, ça commence à gaver. Tout le temps les mêmes armes, il n'y a aucune diversité. C'est tout le temps pareil, je trouve. Et même moi, avant, je vous le cache pas, je jouais à la Remington, à l'AK-12. Je jouais qu'avec ces armes-là. Et à force de faire des gameplays avec ces armes-là, ça doit énerver mes abonnés, je pense, de tout le temps voir ces armes-là sur mes vidéos. Du coup, j'ai lancé une série, moi j'ai lancé une KEM, une arme. C'est-à-dire, je dois faire une KEM avec toutes les armes. Alors, j'ai déjà fait les fusils d'assaut et les mitraillettes. Donc, j'ai joué avec tous les fusils d'assaut et toutes les mitraillettes. Et je peux vous dire qu'il y a des fusils d'assaut comme le SC 2010 et la FAD, qui font d'énormes, mais vraiment d'énormes dégâts. Et à bout portant, la FAD, elle équivaut à une SMG avec sa grosse cadence de tir. Certes, elle n'a pas beaucoup de dégâts quand on regarde ses statistiques, mais je peux vous dire qu'elle fait vraiment très très mal. Et en fait, moi, je sais d'où ça vient cette communauté. C'est très simple, c'est que on est tous des youtubeurs qui regardons des vidéos, on est tous des viewers, on va dire ça comme ça. On regarde tous des vidéos sur YouTube, des gameplays et tout. Si vous regardez cette vidéo, ben vous en faites partie, c'est évident. Donc, on veut toujours faire comme nos abonnés préférés, on va dire. C'est-à-dire comme Monsieur Levé 12, comme Gotaga, comme Wartech. Par exemple, si Gotaga, il met une vidéo avec la M-TAR où il fait un carnage, ben on va tous vouloir jouer avec la M-TAR parce qu'on a vu qu'elle était facile, cette arme, dans les mains de Gotaga. Mais si jamais il aurait joué à la cassette ou quoi, on aurait pris la cassette. Donc, je sais pas, on veut toujours faire comme les autres, à croire qu'on n'a pas de personnalité. Comme Wartech, qui joue au L111, bah, tout le monde veut jouer avec ce sniper-là. Bon, certes, les deux autres snipers, ils sont moins bien, mais je peux vous dire que toutes les.
Mais je peux vous dire que tous les fusils d'assaut ou toutes les mitraillettes, elles sont toutes égales, pratiquement toutes au moins. Mais moi, j'ai joué pratiquement avec toutes les armes, donc je peux vous dire, faut jouer comme on veut nous, pas comme les autres jouent. Donc, je vous invite à tester la SC 2010 ou la FAD. Au passage, j'ai envoyé ma KEM. Alors, vous avez vu, ça rage quitte. Il y a eu beaucoup de rage quitte dans la partie. Donc, objectif atteint, j'ai réussi ma tentative. J'ai eu ma KEM au Bulldog. Bon, l'ennemi a rage quitte, donc une petite capitulation. La vidéo est finie, je vous ai pas mis d'autres gameplays. Mais je m'en excuse parce que je vais pas vous mettre deux gameplays, ça sert à rien. Surtout que mon commentary est très rapide. Donc voilà, alors je vous invite à laisser un petit like à la vidéo, à venir voir ma chaîne YouTube, à regarder 2-3 vidéos de moi, et si ça vous plaît, de vous abonner, mais ne vous abonnez pas si vous ne reviendrez jamais, ça sert à rien. Moi je cherche des vues, pas des abonnés. Donc voilà, je finis sur un score de 33 pour 4 au Bulldog, ce qui est quand même pas mal. Malgré les rage quits, j'aurais pu faire un record FR. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine!